Ce soir, on va interpréter notre morceau « Mektoub ». C'est toi qui as écrit le texte, t'as voulu en fait raconter un peu notre rencontre. Oui. Le poids des jours n'est plus si lourd. Au moment où on s'est rencontrés, t'étais down, j'étais down aussi. On n'était pas bien. Et en fait, on s'est sauvés avec la musique ensemble. Mektoub, ça veut dire le destin en arabe, et c'est surtout une ode à l'amitié. Je pense que jusque-là, c'est un exercice qui est nouveau pour nous, la télé. Nous, notre set, il fait une heure, on commence très calme, et ça monte progressivement, et à la fin, ça explose. Et là, on arrive, il faut être chaud en deux minutes, il faut envoyer... Enfin, c'est vraiment un exercice différent. Là, je pense que ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment d'apporter un peu de notre univers live sur un plateau de télé. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi celui-là, parce que c'est un morceau qui nous porte aussi vachement. Ça rend bien, ça. Ouais, super. Il faut qu'elle elle prenne la commande de la chanson, mais je sais qu'elle va le faire, quand même, de la brillamment fait. Je crois qu'on a envie de se lâcher, là. On a envie d'apporter du bazar. Et de s'amuser, vraiment. De s'amuser, de faire danser, de danser. Ce soir, c'est la teuf. Alexis, Sarah, moi, ce que je décèle chez vous, c'est un côté extrêmement rock aussi. Et je trouve que Mektoub, c'est un titre qui porte cette énergie rock. Et c'est ce que j'aimerais voir aussi. J'adore l'influence orientale. Vous savez l'apporter, cette énergie orientale. Maintenant, je sens ce côté rock, j'entends ces influences-là. Et j'ai envie de les voir et de les ressentir en live. Sarah, j'ai envie de te dire, libère la Catherine Ringer qui dort en toi.